Tiziane Péry, d'abord en lui mettant à côté d'elle des jeunes garçons talentueux qui nous émeuvent, parce que même si on est spécialiste de l'art brut, l'art académique, on y est sensible aussi, et puis c'est fou cette émotion qui peut passer à travers même du travail scolaire. Et même un enfant de 11 ans, eh bien, a vraiment un potentiel intérieur, spirituel magnifique. Alors vous savez quelle date c'est ce concert ? 24 juin. Parce que le 23, c'est un autre chose, c'est une autre chose. Et puis, alors, entre deux, j'ai dit, je vous ai fait fondre deux fois de suite, vous êtes aussi sensible au charme latin, vous. Oui, ça, c'est sûr. Gino Evangelista, Luciano Cattapano, pour cette pièce de Luca Catulina e Napoli, une pièce qui vient par là-bas au fond. Par là-bas au fond. Où il y a des volcans. Oui. Hein, et puis, Capri, c'est fini. Dites-moi, Lucienne, alors qu'est-ce qui va se passer à Paris dans 10 jours? C'est la consécration pour vous, vous êtes montée là-haut et c'est la gloire, quoi. Mais alors, vous nous proposez une exposition d'enchevêtrement magique. Ça s'appelle Inextricabilia, pour ceux qui auraient fait du latin. Vous allez vous mélanger plein de choses. Oui, je mélange. Et puis, il y a un propos qui se déroule. Voilà, exactement, déroule précisément, puisqu'en fait, il s'agit de fils, de ficelles, de cordes, de cordelettes, de raffia, de brins de laine, de toutes sortes de fibres, en fait, qui parfois sont tissées, parfois tricotées, parfois crochetées, enchevêtrées. Voilà, ça c'est le thème principal de l'exposition, l'enchevêtrement, dans des œuvres qui sont issues de pays différents, d'époques différentes, de cultures différentes, de croyances différentes. Alors il y a des œuvres qui viennent tout à la fois de Hongrie, des États-Unis, du Brésil, de Rio de Janeiro, de Lausanne, de Voidance, un petit village dans le canton de Fribourg. Ce sont des œuvres créées par des artistes qui parfois sont des artistes d'art contemporain, parfois ce sont des chamans africains, parfois ce sont des pèlerins, parfois des moniales qui dans des couvents ont créé des œuvres, parfois ce sont des auteurs d'art brut. Bref, je mélange, j'invite au dialogue et puis j'invite le public à s'interroger sur les parentés qu'il y a entre ces œuvres. Il y a des ressemblances, des analogies entre ces œuvres qui viennent de partout, qui sont foisonnantes, et on est stupéfait de voir qu'il y a des parentés entre eux. Entre, par exemple, d'ailleurs, un assemblage de nœuds faits avec des tissus. En fait, il faut imaginer Éphèse, cette ville turque, ce serait la ville où, en fait, serait morte la Vierge. Ouais. Donc, un haut lieu de la spiritualité, il y a énormément de pèlerins qui se rendent à Éphèse, parce qu'en fait, ils vont prier la Vierge. Ils vont se recueillir et ils vont demander à la Vierge de les protéger ou alors de leur exaucer un vœu. Et en fait, au moment où ils font le vœu, eh bien, ils prennent un bout de tissu et ils forment sur un mur à Éphèse, ils attachent un petit quadrillage de fer, ils attachent un tissu, ils font un nœud. Au moment où ils font un nœud, eh bien, ils font un vœu. Et tout cela, au fait, crée un mur de nœuds faits avec des tissus. Et cette œuvre-là, ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'elle ressemble, comme deux gouttes d'eau ou presque, à une œuvre d'une créatrice d'art brut qui a travaillé aux États-Unis et qui s'appelle Judith Scott. Judith Scott qui a fait plein de nœuds aussi. Voilà, qui a fait plein de nœuds aussi, qui crée des sculptures exactement avec la même technique, avec le même procédé. Elle utilise des pièces de tissu qu'elle récupère et qu'elle noue entre elles. Alors ça, c'est un exemple de ce que vous faites, que vous proposez dans votre exposition. Vous juxtaposez des œuvres. Et puis, on avait critiqué un jour une exposition qui nous faisait passer d'une œuvre à l'autre, comme ça. On disait que des fois, on était un peu perdu. Là, est-ce que vous explicitez le parcours ? Oui, il y a un petit carnet pour les musiciens. Oui, c'est un peu les musiciens, les spectateurs, qui vont de pièce en pièce et qui découvrent. Alors, si certaines personnes ont envie d'en savoir plus, il y a un petit carnet. Mais au fait, on peut très bien aussi, si l'on en a envie, se laisser bercer, baigner dans ses œuvres. À chaque fois, évidemment, on sait d'où elles viennent, on sait de quoi il s'agit. Je trouve que c'est important qu'on sache que, par exemple, celle-ci est une œuvre créée par un chaman en Afrique, au Congo, faite avec des fils et des fibres de cuir. En haut à gauche, eh bien, il y a une petite pochette, un tissu qui contient, c'est là que le chaman a mis, des pattes de coq, des coquillages, de la terre, et ce sont des ingrédients avec lesquels il est en relation avec l'au-delà. Vous nous dites que c'est des œuvres, enfin ça s'appelle Inextricalia, mais c'est un peu extricable, quand même on s'en sort. Dans... Il y a quelque chose qui m'a touché dans l'histoire de la Vierge d'Éphèse dont vous parlez. Quand on fait ses vœux, puis qu'on fait des nœuds, lorsque le vœu est réalisé, que devient le nœud ?
Parfois, il reste, parfois il se délasse, parfois d'ailleurs, on le jette. Je vais vous donner jette. Quelque chose, puis vous allez me décrire ce que c'est cette carte-là. Oh là là. J'ai ça dans votre palmaire. Donc vous me donnez une carte. On voit une vierge. On voit une vierge, c'est une carte d'un format. Qu'est-ce qu'elle a dans les mains? Qu'est-ce qu'elle a dans les mains? Tournez... Ah, elle a un petit... Tournez la page et regardez, c'est marqué quoi? Vierge qui défait les nœuds. C'est incroyable, hein? C'est la Vierge Marie, mère dont les mains travaillent sans cesse pour tes enfants bien-aimés, car elles sont poussées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de ton cœur. Tourne ton regard plein de compassion vers moi, vois le paquet de nœuds qui étouffe ma vie. C'est génial. Donc il y a une Vierge en Allemagne qui s'appelle la Vierge qui défait les nœuds. Eh bien, je crois en fait que dans le nœud, dans l'enchevêtrement, il y a quelque chose, dans un très grand nombre de cultures, ouais. Qui est une envie, un appel à la protection. Ouais. Le fait d'enchevêtrer des choses... Et bien, ces petits bracelets brésiliens qu'on voilà, se met. Là. On exactement. Fait des vœux, on met des nœuds quand les nœuds pètent. On fait des vœux. Ouais. Et en fait, ces choses-là, tous ces enchevêtrements, quels qu'ils soient, tous ces nœuds, eh bien, ont des vertus qu'on appelle apotropaïques. C'est-à-dire qui conjurent le mal, qui éloignent le mal. Il faut qu'on le soit protégé, qu'on vive bien, qu'on vive au mieux dans la paix et le bonheur. Eh bien, voilà, on crée des nœuds, on crée... des œuvres, des pièces. Par exemple, il y avait une artiste, enfin non, c'était une patiente d'un hôpital psychiatrique, pour moi c'est une artiste, elle travaillait, c'était à Heidelberg, en Allemagne, à la fin du 19e siècle, à la fin du 19e siècle. En fait, cette femme, elle devait travailler, comme toutes les femmes dans un hôpital psychiatrique, elle devait réparer les draps de l'hôpital. Et elle, ce qu'elle a fait, elle s'appelle Marie Lieb, elle a pris quelques pièces de tissu, elle a créé des espèces de longues bandes de tissu, de longues bandes, des bandes, hein, des bandes ouais. Et elle a créé au sol, dans sa cellule, dans sa chambre, eh bien, des espèces de constellations, des grandes étoiles avec ces pièces de tissu qui étaient des restes, des bouts de draps de l'hôpital. Et on voit, il ne nous restait qu'une image de cela, puisque aucune de ses œuvres ne sont restées, ces immenses constellations, cette espèce de ciel personnel qu'elle se créait, eh bien, on va le reconstituer à la Maison Rouge. C'est Mali Jeunesse, une artiste de Lausanne, qui va reconstituer cette œuvre qui a jamais disparu. La Maison Rouge, c'est à Paris, c'est un musée, oui. Hein, dans lequel on peut voir, à partir du vernissage du 22 juin, mais dès le 23 juin, cette exposition Enchevêtrement magique Inextricabilia, où vous mettez en dialogue donc des œuvres de l'art traditionnel, de l'art brut, de l'art académique, de l'art contemporain, qui tournent autour des ficelles, des nœuds, des rubans. Oui, et de l'art sacré aussi, de l'art religieux. Et de l'art religieux, vous allez être sur place parfois pour nous guider. Bah, c'est tellement beau comme vous racontez que j'aimerais bien voir ça si vous me tenez la main. Bien sûr, il y a plusieurs visites guidées. Il faut aller sur le site de la Maison Rouge, lamaisonrouge.org. C'est donc ce lieu, c'est à Paris, c'est tout près de la gare de Lyon d'ailleurs. Ouais. Et je donne plusieurs visites. Oui, c'est vrai que lorsque l'on est emmené, embarqué dans cette exposition, plus on en sait, plus on ressent. Moi, je suis persuadée que plus on comprend et mieux on perçoit, mieux on ressent mieux intérieurement. On renoue. Voilà, exactement. Mieux on renoue avec cette Inextricabilia, Enchevêtrement magique, votre nouvelle exposition, Lucienne Perry, qui s'ouvre à Paris, dans le dialogue. Et puis alors, si on veut en savoir un peu plus, alors, il y a bien sûr le site de la Maison Rouge, mais il y a aussi noteartbrut.ch, c'est votre carnet de bord à vous, Lucienne Perry. On retrouve souvent les images qui accompagnent nos petits entretiens sur Espace 2. Vous avez droit à un petit post-scriptum, si vous voulez. Un post-scriptum, eh bien oui, c'est qu'il y a un catalogue qui réunit toutes ces œuvres. Et ça, c'est si on a envie de prolonger l'exposition ou si on ne peut pas aller voir l'exposition, un catalogue qui paraît chez Flammarion. Je suis très heureuse qu'il y ait des tout petits reliquaires de poche, des œuvres aussi étranges. Et moi, je vous pique les hors-textes que vous venez d'amener. Au revoir, à tout bientôt, Lucienne. À bientôt. Du 22 juin au 2 juillet, la Vaud se fait classique. Avec les Sœurs Labec, Piotr Andrzejewski, Luca Debargue, Camille Thomas, Jordi Savall et de nombreux jeunes musiciens. Mercredi 28 juin de 18h30 à 22h30, saurez-vous deviner qui est l'artiste qui se produit en direct sur Espace 2 dans Rien à voir ? Sur place ou à l'antenne, l'interprète ne sera dévoilé qu'en deuxième partie. Du 22 juin au 2 juillet, plongez dans la Vaud classique avec Espace 2. Tout le programme sur lavaudclassique.ch.
À vous de jouer. Aujourd'hui, nous avons reçu Adrien Piesse pour le concert de demain au Temple de Chavannes, Oleg Gaffner et Gabriel Kreis pour les 4 saisons du 24 juin. Et puis, le docteur X, l'homme qui en connaît un rayon, ainsi que vous, Lucienne Perry. Merci à Luc Thérapon qui a choisi les musiques. Marie-Claude Cudry en régie. Vous avez rendez-vous avec Nez à Nez après les informations de 10h.